おい、その口調。まさか、また新しい依頼じゃないだろうな。ご想像の通り、新しい依頼が一件ございまして、アビディアの森に住む住民の安全に関わる、とても重要な依頼なんです。え？何かあったのか？つい先日、アビディアの森の一部区域が汚染されているという知らせが入りました。汚染？まさか、新しい地域なのか？詳しいことはよくわからないのですが、あの辺りを通った人は体に異常をきたすという話です。アビディアの森で生活する人々は故郷をなかなか離れたがりません。ですから汚染区域が拡大すると深刻な結果を招いてしまう恐れがあります。汚染の拡大を止めるだけでも多くの人が救われることになりますので、どうかぜひ調査をお願いします。アビディアの森か。キナリなら何か知ってるかもしれない。あいつに聞きに行こうぜ。Ok, du coup, c'est parti pour faire la quête de Tinari. Du coup, juste avant, vous avez eu un petit cut où on était avec Catherine et tout. Je sais pas si je parlais, je sais plus, ça fait 2 semaines que ça arrivait. Et le coup, là, on est dans la quête monde de Tinari, la quête histoire de Tinari. Oh, les persos parlent tout seuls, ça fait très longtemps. Alors, c'est. Ok, un gamin. Oh. Mince. Eh ouais, c'est ça de pas avoir écouté maman. Putain, mais il va mourir ou quoi? Et il va vraiment mourir? En vrai, c'est méchant à dire, mais c'est cool parce que c'est bien un peu qu'il tue des gens, quoi. Mais bon. Ouais. Il a mangé quoi encore? Je suis trop méchant. Ah, bah voilà, il va pas mourir, c'est bon. Voilà, c'est bon, ils abusent aussi, c'est bon. Bah oui, bah du coup, est-ce que tu peux... Bah oui, tu m'étonnes. Petit garnement. Et voilà, bien fait. Oh. Bah, oh, tu sais, si t'es tout le temps. Si t'es jamais malade, c'est pas étonnant que d'un coup, quand t'es malade, t'es beaucoup malade, hein. Que tu sois beaucoup malade, je veux dire. En vrai, pour moi, c'est plus logique d'être malade une fois, une grosse fois, un peu trop malade que. Voilà, c'est bon, vous avez compris. Ah ouais? Genre la forêt elle se déplaçait ou. Un truc du genre? Ok. Tourner la tête et. Les zones contaminées. Ah, quand vous de cécité, ouais, mais non. Bah oui, mais. Ah! Alors qu'est-ce que c'est mon petit Tinari? Ok. Bah c'est parti. On sort. T'inquiète pas, il est juste un peu fiévreux. Ouais. ただの慰めなんだ。あ、ouais？彼の症状は熱によく似ているけど、根本的な原因は全く違う。どちらかというと、意識障害に近くて。おら、mais vas-y avec lui, c'est pas toujours des choses de merde là。じゃあどうすればいいんです？レンジャー長さん、どうかあの子を救ってください。Bah non, bah laissez crever。確か、
L'herbe vasantie que l'on peut utiliser pour apaiser l'esprit. Ouais. Ça marche. Bon, on va en chercher du coup. Waouh. Voilà, t'inquiète pas, tout va bien aller, madame. Achat. Je crois que la quête elle va être chiante un peu. Je sais pas, je crois qu'elle va être un peu roulant. Ah, Tinari quoi. J'espère qu'elle va me surprendre. Moi je veux être surpris hein. Parce qu'en ce moment là, les quêtes des persos, c'est pas ça hein. Dernièrement, Exactement, nous non plus, c'est pour ça que nous allons t'aider. Ok, go voir les camaravanes marchandes. Allez, on y va, c'est parti. Mahir. Écoutez, je suis pas un pro pour dire ces noms-là. Voilà, hein. Laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. C'est déjà compliqué à... Bah écoute, oh, ça... Oh, c'est dur, hein. Il y a vraiment une voix de fille. D'accord. Ah, d'habitude, j'aurais toujours du stock et des trucs à vendre, donc. Ouais, voilà. Bon, du coup, logique. Non, plus de stock. Oui, bah tu m'étonnes, oui, ils vont vendre à perte. Du coup, là, faut qu'ils attendent qu'ils aient du restock pour après, ouais. Ouais, bah logique, oui, non, mais logique en vrai. Hein. D'accord. Bah, est-ce que tout le monde fait ça? Pas mal si ils font tout ça. Bah peut-être parce qu'ils sont pas assez forts, non? Je sais pas. Ah ouais, mais tu veux qu'ils fassent quoi, mec? Si c'est des méchants qui l'ont volé, genre lui c'est un marchand, hein, c'est pas un combattant, mec. Tu veux qu'ils fassent quoi? Ah oui, en plus dans la forêt, t'imagines le temps que tu dois prendre à trouver? On saura pas prendre 2 heures quoi. Ah oui, ouais aussi, ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Là, c'est pas. Ouais. Moi je trouve qu'ils ont pas trop tort. Ça serait des Aranara qui aurait volé ça? Non, je pense pas. En fait, qu'est-ce qui pourrait voler les ça? Genre, est-ce que c'est une bête? Est-ce que c'est un humain? Un humain, ouais. Ouais. C'est un bandit, du coup, ça va être un humain. Il y avait personne. Genre, il y avait personne pour protéger la marchandise? Un crabe mécanique. En fait, des trucs mécaniques, tu vois, mais en crabe, ça me dit rien, en crabe. Ou est-ce que c'est vraiment un crabe? Parce que comme ça, des crabes, ça me dit rien. Ok.
俺たちが気づかないうちにふわーっと現れて、俺たちの商品を掴んで走り去っていった。Bon, un peu bizarre pour l'instant. Moi, tu m'étonnes. Oh bon, ah bah tu penses que si tu les aides, leurs affaires reviendront à la normale. Bah dis donc, t'es un génie, toi. Ah, on t'appelle pas le génie de Sumeru pour rien. Hein. Putain, t'es vraiment... Oui, bon, le VIP, on s'en fout, là, allez. Oui, ok. Allez, on va trouver tes produits. Oui, vas-y, demandez. Vas-y, on va aller les voir. C'est parti. Je sais pas c'est qui qu'on va aller voir, mais on se va le savoir dans pas longtemps. Ah, les gens autour. Oh, ah oui, c'est les gens qui savent pas garder le truc. Ouais. Mais le crabe, ça me paraît bizarre. Genre le voyou crabe. Pour moi, il n'y a que les crabes de la plage qu'on voit, sinon je ne vois pas d'autres crabes. Ah ouais, son objet en métal. Du coup, c'est quelque chose qui aime bien le métal. Je suppose que toi, ça doit être des marchandises en métal, puisque les moras, ils ont pas l'air d'avoir été volés, eux. Mais du coup, ça va être un truc mécanique, mais... Bah, logique, mais... En fait, pour l'instant, il y a un seul truc mécanique qu'il y a ici, c'est les dragons. C'est bizarre de dire ça. Ouais, c'est les dragons. Mais ouais... C'est bizarre, ils weird. Rapide et fort. Ouais... Bah après ça serait toi les triangles là, mais ce que ils appellent ça des crabes, quand même ils abusent quoi. Ouais. Après ça serait bien d'avoir plus de détails sur le crabe quoi. Parce que là, ils nous disent tous, ouais, bah c'est un crabe mécanique qui a volé tout ça. Oui, bah on a compris. Ça fait quelle fois qu'on l'entend quand même. Bah là, ça va faire la quatrième fois du coup, je suppose. Ouais. Bah oui. D'habitude, il est quand même là, mais. Ah non. Oui, non, laissez-moi. Bah attends, oui, en fait je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr, du coup je vais rien dire. Damien. 3G, il prend la fuite, genre c'est un truc en plus qui court vite. Oui, vas-y. Ah bah merci. Vas-y, c'est bon, oui, on a compris, allez, next. Oh bah oui, bah sans blague, il vit dans la forêt. Oui, bah on avait compris au début quand même. Putain, on fait une nouvelle information, non? Il est dans la forêt, bah merci. Ah bah, vous en doutez pas. Bah non. On en sait plus. Bah ils volent quoi. Ah, et genre là, ils agissent par eux-mêmes. Est-ce que genre ils agissent par eux-mêmes à cause de la cécité qui aurait pris genre le contrôle de eux? Mais lui, il vaut que genre des trucs de métal et tout. Ouais, voilà. Bah, peut-être qu'ils veulent du métal, genre pour se soigner. Genre pour manger. Peut-être qu'ils mangent du métal comme c'est des bêtes mécaniques. Je sais pas si c'est intelligent ce que je dis, ça va être débile, je sais pas. Mais écoutez, ouais. Bah non, là comme ça, non. Ah ouais, mais c'est contre la pièce. Ouais. Non. On sort pour voler des pièces mécaniques. Ouais. Pas faux.
Ouais, j'avoue, bah on peut essayer, hein. それよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれれば。これはいいよ。でもこのパーツはもらっておく。Excusez-moi, je veux bien. Écoutez, Drish, ça, c'est bien. Et Drish, c'est bien. Regarde comme il bouge lui. Oh, 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 oh. Ok, ok, la bête de somme là. 品物さえ戻ってきてくれるなら、俺自身の体だって貸してやるぞ。Même emprunter ma propre personne. Ouais, mais putain, mais ils aiment bien les gens se vendre leur corps. Hein. Ça fait trois fois de suite là. Ou deux. Oh, c'est pareil. Ok, c'est parti. Allez. C'est parti pour faire l'appât. On retourne où? Bah, génial. Et dans cette zone un peu avec de l'eau autour de nous. Voilà. Pourquoi ils prennent pas juste la route? Parce que là, c'est pas du tout lié à la route là. On est en dessous de la cascade quand même. Vas-y, on va attraper le crabe. Je suis sûr que c'est pas un crabe. Ah ouais. Oh, mais non, vas-y, on va faire le. D'accord. C'est dommage qu'on puisse pas y monter dessus, genre ça aurait été bien de nous voir monter dessus. Après bon, vu ce qu'elle tient sur elle, tu vas me dire c'est normal. En vrai j'avoue que là elle a beaucoup de bagages, on va pas se rajouter en plus dessus. Surtout vu le poids de Paimon, t'imagines. Oh non. L'air d'être... Mais vas-y, mais les gars ils parlent et Paimon elle lui coupe la parole, du coup on sait pas ce qu'il dit, bah génial. Ok, il s'arrête là et donc on va pouvoir attendre. Ah bah c'est les nouvelles les nouveaux monstres mécaniques du coup qu'on aura à bah, dans l'autre partie de Sumeru du coup. Bah du coup c'est bien les triangles mécaniques, on va dire ça comme ça. Du coup oui crab, c'est un grand mot quoi. Et en coco. Mais il est stylé celui-là. Ah ouais ils sont beaux comme ça hein. Moi je trouve. Bah vas-y. Ouais, allez. Oh bah ouais, il a l'air coriace hein. Voilà, on a peur. Je rigole, je me marre. Bon, j'ai pas l'équipe la plus incroyable. Le crabe mécanique. Allez, boum. Attends, on va mettre un petit coup de feu. On va mettre des petits outils comme ça. Un petit coup de feu. Boom. Ah ouais mais ça éteint. Oh, ça fait... Ah ça fait vachement des dégâts dis donc. Voilà. Il ne voulait pas combattre. Oh non. Il voulait pas se battre. Mince. On lui a fait mal alors qu'il voulait pas. Ah goulou goulou. Goulou. Oh, le... En vrai il fait presque de la peine le crabe. Oh. Ouais, je pense pas non plus que tu vas le comprendre, hein, Paimon. Ouais, mais on sait qu'il y a encore les marchandises qui n'ont pas été volées. Ah, ok, pour lui montrer, désolé. Bah, je pense que c'est pour lui, pour genre pour se guérir ou un truc comme ça. C'est pas un peu bizarre la scène là? Ok, genre tu nous emmènes quelque part. Voilà, bah. Allez. Bah, il nous comprend mieux que ce qu'on pensait. Que ce que je pensais. Oh, il l'a compris. Ouais, mais là, quoi, pris vachement de temps à réagir par rapport au truc. Hein. Pour moi, il a réagi par rapport à ce que t'as dit, mec. Hein. Ma classe, s'il te plaît. Souka. Voilà. Mais non, t'inquiète pas. Haie no yoni tobi maatta ageku, michi ni mayou dake da to omou nda.
僕もちょうど汚染区域について調べていたところだから、いくつか推測はあるよ。でも念のためガイドに案内してもらうのが一番だろ。はい、トロフィオン。なるほど。でも、あいつお前の言ってることを理解できるのか。理解されなくても僕たちに対する鉄パーツを渡したら きっと汚染区域の奥まで連れて行ってくれると。オッケー、今度はルドネ。ジェニアル。ウェイ、グルー。ここに待ってて。絶対に逃げないでよ。タコプリ、tu restes là、hein。あ、sinon on te met une laisse。Attention、hein、tu vas pas trop loin。Sinon on se donne perdre。Ça marche ? Oui, en plus on va faire petit poussé en même temps, c'est génial。 Oui, bon, allez, on peut y aller. Oui, 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 allez, on peut y a
plus soit bon. Pas comme si ça nous intéressait non plus, quoi. Alors, ça va mieux? Nickel. Au moins, c'est efficace, hein. Là, ça remonte. Ouais. Et il prend où là? Ça va mieux. Que Suna était passé plus tôt, qui lui a tout raconté à propos du jouet. Ah, c'est. Lui? Ou c'est lui qui s'est fait voler le jouet par le crabe? Tout est lié, Oui, mais bon. Truc, c'est que je me souviens plus comment ça se fait qu'il est malade, le gamin. Du coup, je peux pas dire, ah, est-ce que ça. Je sais pas. D'accord. Eh, par contre, la Colette abuse pour une fois qui te dit, vas-y, tu peux tout faire ce que tu veux, c'est pour toi. Fais pas, oh, mais je suis pas, je suis nul, hein. T'es la meilleure, Colette. Tu vas faire ce que tu peux pas faire quand il est là, hein. MDR, il dit ça alors qu'il dit non, non, t'inquiète pas, je vais faire moi-même. Vas-y, tais-toi. Ouais, t'es pas obligé de m'imiter. Ouais, c'est vrai qu'on va t'imiter, hein. Voilà, tu vas y arriver, Colley. Et t'inquiète. Ouais, vas-y. Pas de problème. Tant que je suis là, il se passera rien. Bon, après, je pense qu'on a déjà un peu compris, mais... Après, moi, honnêtement, j'ai pas trop confiance en toi. Ouais, on va retourner voir le crack-rab, c'est parti. Bon, ben voilà, YouTube, du coup, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Du coup, aujourd'hui, on a fait un peu tous les trucs un peu chiants, on va dire, un peu l'introduction et tout. On a beaucoup parlé avec Tenari, machin. Bon, peut-être avec Tenari, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais au moins, on a pu rencontrer Goulou Goulou et voilà. Et du coup, la prochaine fois, on va se rapprocher de la source. Voilà, on va se rapprocher. C'est pas la quête va se finir dans la troisième vidéo, la fois d'après. Et la troisième vidéo, elle va être pépite, elle va être très bien. Ce qui va s'y passer va être super bien. Mais ça sera pas la prochaine fois, mais celle d'après. Même si la prochaine fois, c'est cool. Mais c'est un peu du même niveau de ce qu'on a fait là. Voilà. Du coup, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like ou l'abonnement, ça fera très plaisir. Et le dislike si vous n'avez pas aimé. J'étais en live sur Twitch quand j'ai fait cette vidéo. Donc si jamais vous voulez me suivre, papoter avec moi, jouer ensemble ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, le lien est en description. Et si vous avez une suggestion, une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Faire ce que vous avez pensé de la quête de Tenari, la quête de la vidéo en elle-même. Genre le montage, MDR, hein, le montage, mon commentaire, les miniatures, quelque chose que vous avez pas, que vous a pas plu, que vous avez pas aimé ou quoi, n'hésitez pas à me le dire pour que j'améliore ça pour la prochaine fois. Et si vous avez une question par rapport à ce mur ou pas forcément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et d'avoir écouté, c'est tout trop long comme d'habitude. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Plus.